Partage-là, tout ça qu'on voit dans ces testaments, c'est les figures qui enseignent les leçons. Souvent qu'on est, qui le sont des figures-là, des images-là, on va pouvoir combien qui va le leçon, qui va le bagaille pour apprendre. Par exemple, nous sommes les derniers membres d'habitude avec nous. Le tabernacle dans le désert. Combien de monde qui t'a ça? Le tabernacle dans le désert. Le tabernacle dans le désert. C'est une étude qui t'a montré l'Israélite qui était dans le désert là. Après, il a quitté l'Égypte, c'en est environ 2 millions de monde. Il est dans le désert, il a monté et descendu pendant 40 ans. Bon Dieu t'a assuré que il y a un centre d'adoration. Il y a assuré que il y a un côté où il y a joindre. Il y a un côté où il y a chercher bon Dieu et joindre bon Dieu. Et peut-être ça, bon Dieu t'a passé Moïse l'ordre dans l'île Exode, soit l'Exode 18-19, jusqu'à 20 pour tout livre Lévitique là. Après, bon livre dans l'Ancien Testament, il y a Lévitique. Il y a Lévitique parce que son livre, qui écrit pour les Lévites. Les Lévites étaient sortis dans la tribu Lévi. Tribu Lévi, c'est tribu ça qui était occupée de adoration. C'est eux qui étaient occupés, c'est eux qui étaient responsables pour aider mon Dieu à joindre mon Dieu, les Lévites. C'est dans la tribu ça à côté de sacrificateur. Et dans la tribu Lévi, il y a des familles. C'est famille Aaron. C'est dans la famille ça où il y a un souverain sacrificateur. D'ailleurs, Aaron, c'était le premier souverain sacrificateur. Qui ça nous répond Dieu fait? Peuple là, montez les dans le désert là. Mais mon Dieu, voulez-vous tout connaître? Si nous besoin, mais côté nap, joignez-moi, vous captez? Et si mon Dieu, par exemple, qui était en quel côté pour peuple, il a monté descendre. Pour moi, la monté descendre pour mon côté pour joindre. Mon Dieu, tout va adresser. Son côté va maintenant. Mon Dieu, tout va adresser. Mais qu'on doit joindre moi. Et si dans le désert là, adresse mon Dieu, c'était tabernacle là. Et l'autre était parlé de tabernacle. Son tente que le on tente. Ils ont tente. Les peuples ont traversé le Jourdain, l'île de la terre promise, il était puis devant, on est devenu un roi, premier roi, c'était, qui est-ce? Vous voyez? Saül, deuxième roi, c'était David. Les David n'ont pas parlé, les David ont dit, Seigneur, regardez, non, belle parle, et puis vous mettez moi en bateau toujours. Bon, mon chien, c'est pour me bâtir. Tempion, tempo. Et sinon, dans la Bible, l'entrée de parler de tabernacle, c'est tente là. L'entrée de parler de temple, c'est caille permanent. Vous comprenez? Tente là, son espace, c'était un espace temporaire. Et puis dans des airs, il a été gagné. Mais temple là, c'est un espace permanent, c'est construction même. Maintenant, et peuple là, le camp est dans le désert là, c'est environ 12 tribus. Ou après 3 tribus au nord, campé au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Puis devinez côté, tabernacle là, il y a campé, il y a monté. Dans mi-temps. Ça veut dire que quel que soit côté mon yoye, je connais que ce n'est pas difficile pour un tabernacle là. Depuis qu'il y a dans mi-temps, il y a joué. Nous te prenons ça comme un exemple. Quel que soit coton petit bon Dieu aller, avant chercher un caille, avant chercher quel que soit occupation, dans une zone, checker pour être dans une zone là, dans qui l'église ouvre aller. On est arrivé, Bible a chargé bagaille là dedans, on ne va pas suivre, non? On ne va pas suivre, non? On a checker tout l'autre bagaille. Par exemple, les familles qui ont des gens, les ouvriers qui ont des gens, ils ne peuvent pas acheter un caille, devinez premier bagaille checker. L'école. Est-ce que dans une zone, il y a une bonne école? Si vous n'avez pas de monde qui a marché dehors, n'importe de zone, vous ne pouvez pas vous mettre zone. Si vous êtes obligé de vivre là-dedans. Mais si vous avez de monde, vous dites oui. Vous avez de monde. Et mauvaise compagnie complète, bonne messe,
dans la zone où j'étais, je suis condamné pour m'envoyer à l'école. Dans la même zone, là, parce que je ne comprends pas ici. Si toi, je ne pas bon l'école, l'école a pas de problème, si je ne gâté. Ouais, j'ai un parent soucieux. Bon, je ne pas faire tête même souci ça. Donc, l'église. Alors, quand tu as posé tes têtes, si je suis dans telle zone, dans qui l'école est dans l'église? Des fois, mon monde a des travail. Quel travail? Washington, République Washington. Quel travail? Kentucky, République Kentucky. Quel travail? Et Maryland, République Maryland. Quel travail? Georgia, République Georgia. Mon n'a pas même dit tête avant de déplacer. Dans zone aller là. Côté moi l'église. Hello. Vous entendez? Qu'est-ce que ça va poser? Alors que si on prend exemple Bible là, on comprend que bon Dieu te cherche en gens pour que depuis le peuple dans le désert là, au moins il y ait à ton côté s'il y a besoin, il y a besoin de qui veut dire mon Dieu au centre. Et nous prenons exemple ça pour nous montrer où, quel que soit ça va faire, quel que soit ça va régler, quel que soit pour réalité, quel que soit dans la profession que vous voulez exercer, assurez-vous que mon Dieu qui est déjà au centre. Sous pensez ces blagues, Jean Bibla de nous apprendre de tout détail. Regardez qui ça dit dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Belle parole, oui. Hein? Et m'espérez que ça aide. Il dit comme ça, et dans verset 1er, en verset 1er avant, je continue dire verset 1er. Il dit frère, il a parlé concernant l'histoire israélite qui est levée dans le désert là. Il dit frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Nuée qui a parlé là, c'est Shekinah dans la gloire qui t'est couvri auprès de l'époque d'être dans le désert là, qui t'est bas aux lumières le soir et qui t'est paré soleil bouillot. La journée. Et Gokoze, oui. Il dit, nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qui la mer? Les deux traversés, c'est la mer rouge. Vous voyez? Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Aïe, Gokoze, oui. Ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Vous voyez? Dans une seule phrase, la Bible a montré. Les deux traversés, la mer rouge, là. La mer, là, représente un baptême de l'eau bouillot. On baptême d'eau. Dans la nuée, par exemple, nuée, c'est présence Saint-Esprit. Nuée a été représentée pour yon baptême de l'Esprit. Présence mon Dieu là. Où est-ce que ça passe là? L'homme prend la Bible, soit courant avec. Où est-ce que je vois un accident? L'homme prend la Bible, il faut poser, oui. L'homme prend la Bible, pourquoi il faut tranquille, oui. On ne peut pas appeler la Bible, petit Simon a couru, il faut te descendre. Ouais, et puis on a pas de corps. Non, il faut chercher un corps de mettre corps, oui. Tu vas chercher de mettre corps pour bien l'île. On va nous passer son passage pour moi. On va passer par rien. Mais regardez, vous voyez combien de bagages qui sont là. Il dit, nos pères ont été tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'on y a au courant sous ça, vous comprenez. Dans la nuée, chez qui dans la gloire, l'Esprit Saint, présence de Dieu, couvrir. Dans la mer, l'eau. Et si la Bible a montré que, même j'en ai même petit bon Dieu, nous recevons deux baptêmes. Pour nous identifier comme petit bon Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça que fait une petite bon Dieu. Et puis après baptême du Saint-Esprit, qui ça? Le baptême d'eau, hein, qui identifie nous. Le baptême d'eau, c'est l'identifier où? Il dit comme ça, Mounsa, ça le délire. C'est ça. Et si peut-être le montre aux gens, passage important. Ils ont été baptisés dans la nuit, dans la mer. Et puis, qu'ils ont tous mangé, qui ça? Le même aliment spirituel. Qui mangeait de manger? La manne. Malgré la manne, c'est ton manger tout bon dieu. Comment on va les manger? On aliment spirituel. Ça qui veut dire que la manne, pas seulement on la manne simple. C'est ton la manne qui a une signification derrière elle. Ça qui fait relever la manne, aliment spirituel. C'est parce que la manne représentait lors du Nouveau Testament, la manne était représentée comme ça. Jésus. Oubliez combien de fois Jésus dit comme ça, je suis le pain de vie. Yo, hello? Yes. Ouais, pour ça, il dit, la manne, c'est ton aliment. Ton aliment, oui. Mais il dit, plus qu'un aliment, ton aliment spirituel. Pour quelle raison? Et parce que il représente Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, là, il parle, Jésus-Christ, il dit, moi, la manne, il dit, je suis le pain de vie. Hein? Et puis, t'as l'exagé. Et qu'ils ont tous bu, qui ça? Le même breuvage.
spirituel, n'oubliez, les peuples étaient dans le désert, comment ils ont boit de l'eau. N'oubliez son roche. On roche. Moïse était frappé pour que le roche n'ait pas de l'eau. Comment il y a de l'eau ça? Le breuvage, qui soit aimé d'elle? Qui veut que de l'eau a été plus que de l'eau? Vous entendez? Non seulement de l'eau a été de l'eau normale, mais il y a une signification de l'eau. De l'eau, c'était Jésus même qui était représenté Jésus-Christ. N'oubliez, qui ça Jésus qui était dit femme samaritaine dans le changement de 4? Il dit comme ça, monde qui boit dans de l'eau plus Jacob là. La soif. Mais même si on boit de l'eau maintenant, il va plus changer soif encore. Et si même Jésus qui dit comme ça, je suis le pain de vie, et même Jésus dit, je suis l'eau de vie, l'eau de la vie. Nous, Jean-Bible Abel. Breuvage spirituel. Et puis il dit comme ça, il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Vous entendez vous? Rocher qui t'a suivi. Pendant dans le désert, rocher qui bat l'eau. Si vous faites un film sur lui, nous avons compris. Pourquoi les gens font un film non, sur rocher ça? C'est pendant 40 ans dans le désert, pour te descendre, tout le côté passe rocher à la rue. Quand on fait rocher à la rue, rocher à marcher. Rocher à marcher. Nous n'allons pas comprendre toujours. Nous comptons combien de gallons de l'eau qui sont dans un camion normal qui bat de l'eau? C'est environ 3000 gallons dans un camion normal qui bat de l'eau. Si vous avez 2 millions de monde dans le désert, il faut que vous veniez de l'eau pour bien. Il faut que vous veniez de l'eau pour faire l'autre petit dégât avec vous. Vous comprenez? Si vous mettez chaque monde dépenser au moins 5 gallons de l'eau par jour, 2 millions de monde, combien de millions de gallons de l'eau que vous avez besoin par jour? 10 millions de gallons de l'eau. Vous comprenez? 10 millions de gallons de l'eau, ça a coûté le senti. Nous ne pouvons pas prendre temps pour nous imaginer qui va l'être l'eau nous a utilisé. En pile l'eau. Nous captez? En pile l'eau. Et puis quelqu'un soit à côté, il passe, il tape sur lui. Qui est-ce qui a baillé toute l'eau ça? Jésus-Christ qui baille l'eau. Pour nous vivre dans les airs, Jésus-Christ qui baille l'eau, oui. Il dit rocher, il dit il buvait un rocher spirituel qui les suivait. Puis il dit c'est ton roche tout bon, de l'eau c'est ton de tout bon, etc. Que de l'eau a un bagage qui dépassait de l'eau normale. Il dit comme ça, il buvait un rocher spirituel qui les suivait. Puis il dit clairement, il se rocher était Christ. On a commencé de là, et Christ qui bat de l'eau. Et Christ qui bat de l'eau. Donc, on dit, et Christ qui bat de l'eau, ajoutez-moi. Christ, c'est de l'eau. Ouais, là, il y a un porté spirituel. Il n'y a pas de l'eau, mais Christ, c'est de l'eau. Là, ça a son porté spirituel. OK? Et puis, il explique comment en pile, il n'y a pas de comprendre. Peut-être qu'en pile, il n'y a pas de mourir. C'est un point qui a dit son résumé de l'histoire d'Israël. Il dit, la plupart d'entre eux, comment? Ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Mais pour qui ça, l'apôtre Paul dit là-bas, ça, les chrétiens corinthiens. Sa histoire, c'est l'histoire, ça va venir chercher là. Et là, m'a mené. Il faut lire l'Ancien Testament. T'as de temps de pourri ça. Il dit, verset 6. Oh! De où est or yon côté? De connecter avec ça qui se passe en l'air. Ok? Oh, là-bas, là, on est votre qui raison. Il dit, oh! Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous entendez quoi? Pour qui ça a écrit tout le bail? Pour qui ça a écrit en 700 écrit? Exemple qui était pour nous. Il dit, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, pour ne pas attendre pour eux. Pour ne pas tirer, pour ne pas faire même bagarre avec eux. Parce que eux étaient vraiment bien courants. Et puis, il a dit, mais qui ça a été fait? Qui ça a été fait pour ne pas faire? Mais c'est ça tout mettre pour eux. Qui ça dit? Ne devenez point idolâtre comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Exode 32, il a été fait vaudor là. Ils font carnaval. Adorer vaudor, image taille, etc. Et puis, dans verset 8, il dit comme ça, ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux. S'ils livrèrent de sorte qu'ils en tombèrent combien? 23 000 en un seul jour. À son bon goût, on nous a dit. Bon, tu vas dans le jeu, non? Garçon va obéir, on va nuire.
Il a mis temps, ils ont délivré de l'Égypte. La fait, bon Dieu a fait bon monde avant, moi a fait mauvais monde. Oh, 23 000 nègres tombés. Bon Dieu, pas eu, non? 23 000 ans, 23 000 ans en un seul jour. Pas oublié, pour qui raison tout le monde va aller? Ces choses, elles sont arrivées pour nous servir de. On s'avait dit, bon Dieu, quittez là, il y a 23 000 mon parce qu'il n'y a pas de tuer, il n'y a pas d'obéir, là, il n'y a pas de changer. Il est toujours qu'à la guémon à terre. Oui. Bon, ça va parler, nous sommes ici. Bah, il s'est connu à sa place, il s'est dit, et bon Dieu, comme guérir, et bon Dieu, comme délivrer, et bon Dieu, comme baïkara, et bon Dieu, comme travail, et bon Dieu, comme baïkara, et bon Dieu. Et bah, il s'est parlé, oui. Mabdo, combien côté, combien bon, qui va les centaines de monde dans la communauté, nous, avec Chita, pour mettre tant de paroles, bon Dieu, pour l'avoir tant de bruit, oui, ça y est, paroles, bon Dieu, lié. Bon Dieu va changer, non? Même bon Dieu qui te gagne force pour jeter 23 000 mon nom rien joie parce que des idolâtres là, il va changer. Puis depuis verset a dit comme ça, ces choses leur sont arrivées pour nous servir. D'exemple. Oui, d'exemple. Tandis qu'il a dit, verset 9. Il dit, ne tentons point le Seigneur, ne tentons point le Seigneur. Où on s'est tenté, il dit. Tenté, il dit, mettez bon Dieu dans condition, mettez bon Dieu dans situation que le Père me promet pour le fond barrer vous. Pas oublier, non, ça a dit tenter bon Dieu. Tenter bon Dieu, c'est mettre bon Dieu dans une situation pour le faire un bagage pour vous que le Père vous promet. Exemple. Vous songez, le diable a été mettre dans Matthieu 4, il a tenté Jésus. Il met Jésus sur tête temple là. Tête temple là. Et bien Jésus comme ça. Là, il en bas. Et puis, pour le diable a fait Jésus, là, il en bas. Il a Jésus en verset. Il dit Jésus comme ça. Oubliez. Dans Somme 91, il dit comme ça. Le diable n'a pas dit le somme, mais il n'a pas dit le somme, il dit, oublié. Et bon diable, il y a un ange, l'ordre, pour même ceux qui sont en bas, pour ne pas gagner cassé dans haut. Et pas tout net, non. Dans la communauté, nous avons capable de voir le bon Dieu. Pour qu'on ait bon parole d'abord. Parce que là, le diable a lu la Bible. Il dit, parce que nous allons côté. Bon, parce que, bon, il y a eu le monde, il y a prêché. Et puis, nous avons ça. Ou quoi un exa? Mais on dit, mais parce que la Bible est lourde. Ah, pas lui dans rien. Ah, pas lui dans rien. Satan ouvre la Bible d'oui. Laisse Satan dire Jésus comme ça. Ange, bon Dieu, pas l'autre. Même sur la guette, corps en bas, sur tête temple là. Ah, il va passer. Il va passer là. La Bible est lourde. Mais son la Bible est tordée. Il va dans la vraie Bible, non? Il est tordée sur Galates 11. L'histoire de l'enfant, c'est Jésus qui se prend. Jésus qui dit, Satan dit Jésus comme ça. Il est écrit. Sauf Galates 11. Puis Jésus qui dit Jésus comme ça. Il est aussi écrit. Ça veut dire, ou qu'on ne peut pas lire. L'homme vient dans l'étude, pas vient dans l'étude seulement. Pour tant de vérité. Non, vient dans l'étude pour capable de faire Satan connaître. Qu'on ne peut pas lire. Puis sortant de qui vrai pape Kébel pour qu'on tout. Pas que t'es pour un monde non mauvaise. Non mauvais humain. Mauvaise doctrine, même si vous n'avez pas fâché avec vous. Les gars sont collègues de travail, ils ont des amis, ils ont des familles, pas dit comme ça, je ne suis pas là avec lui, mais si je dis ça, je ne suis pas là, il m'en va. Je ne dis ça, je ne dis ça, il n'y a pas ça, oui, mais pour dire que je ne peux pas prévoquer. Je ne dis pas que le camp n'est pas bon, oui. Pour dire que je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je vais payer pour ça. Parce que souvent, je ne suis pas là, il faut dire ça. Il faut montrer, il dit que ça ne va pas, mais ça ne va pas dire. Quel que soit sacrifié, ça c'est pas pareil, pas où. Vous avez une responsabilité, mon Dieu, mettez-vous dans telle position pour une raison donnée, faites job là. Jésus dit comme ça, il est aussi écrit. Qui ça l'écrit? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On s'attendait, mon Dieu, lui, homme de lui. Tenter Dieu, c'est essayer de mettre Dieu dans une position pour qu'il fasse quelque chose qu'il n'a jamais promis. Tempting God is trying to put God in a corner to get him to do something that he had never promised. Vous comprenez? Pour oublier ça. Pour oublier là. Par exemple, vous prenez un mauvais travail, vous connaissez mon Dieu pas d'accord, et vous dites Seigneur, dans le travail, ça vous riche. Vous êtes capable. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vous mettez des bénédictions à l'intérieur, parce que c'est bouche ou pété. Bon Dieu, va te promettre ça. Bon Dieu, va te promettre la
la béni ou dans mauvais travail. C'est ça, il est tenté, mon Dieu. Tenté, mon Dieu. Il a tiré dehors, autant de gros balles pendant l'église. Et pour un moment, on dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras aucune rien à craindre. De tes yeux seulement, tu regarderas. Et puis, mes frères Simeon dit, tu verras la rétribution des méchants. Et Simeon, fal a tiré dehors, au poté falou. Fal, gros fal. Bon, fal va tomber quand même. Tu te donneras pour un guisard. À son parenthèse, est-ce que parenthèse là est d'où? Attendez, qui ça le dit? Israël, Dieu fait ça dans les airs là. Il dit ça là. Il dit au verset 9 là. Ne tentons point le Seigneur comme le tentait à quelques-uns d'entre eux. Oui, le tentait mon Dieu. Qui périr à les serpents. Bon Dieu, bon sens. De l'humour. Bon Dieu, dans des airs, bon Dieu, n'a pas tenté ma plaque et coulève d'elle. Mais ça me coulève. Coulève. Donc, on y soit coulève là. Soulevez comment il soit coulève là, fini. Allez dans Nombre, chapitre 21. Coulève. 2 millions de monde en côté. Pour mon Dieu, mettez coulève. Pour mon capable prendre un capio. Au moins, mon Dieu, là, 1 million de coulève. Oui, oui. Coulève. Mais mon Dieu, vous avez sorti. 2 millions de monde en battant. Tu as une coulève pour tout le monde, oui. C'est gardez le collègue, pom, parce que à ce moment-là, il y a quelqu'un qui n'a pas dormi. Parce que quelqu'un qui est en web, il n'y a pas de petit collègue, il y a collègue qui pique. Ça lui dit, c'est pour même, vous voyez. Écoutez, soyez étude pas fait, frère Onel, soyez étude pas fait, femme déjà collègue, vous. Ma chère, ça lui dit, c'est bien. Il y a une visite. Oui, et pas même, il y a une visite, moi qui a fait étude là. Bon, écoutez, Nombre 21, c'était couleuvre tout bon. Couleuvre venime, c'est non désert, en bas sable, là, il est sorti. Bon, vraiment, côté couleuvre, ça est sorti même. Hey, bon Dieu, c'est bon Dieu, les peuples là, on devient. Les peuples là, où est oiseau, sont de tous côtés, et puis ils tombent dans le cran. Wap nuit, libre au répandu. Bon Dieu, fais couleuvre, prends-moi un transport, piou! Tombe dans le sable désert, mais comment c'est bon des garçons? Puis les garçons, ils sont morts. Bon Dieu dit Moïse, mais ça vous fait, on sert pas en erreur, mettez l'ombre tout bien haut. Et puis, dès que quelqu'un soit mon couleuvre modé, il y a plein de têtes, tu as gardé ses points, puis il y a guéri. Et vous, ça va la passer. Et si, vous tapez Frère Simeon, ça, à ce moment-là, Frère Simeon m'utilise. Frère Simeon dans le désert, couleuvre fait modé. Il dit minuit. Et couille là, Frère Simeon, mettez le dehors, pas oublier, tout bas, au centre, on dit Frère Simeon, gardez ça! Et puis il garde le monsieur bon. Monsieur Bouzon, on est capable de dire gardez qui ça? Je ne peux pas garder rien même. Pas un monde qui a fait mettre tête en l'air. Mais ça va passer. Dead. Pour beaucoup de gens, c'est l'estament bon. Au fond, ça est écrit dit Nicodème, dans Jean 3. Dans Jean 3, oui, c'est ça. Parle, lien, c'est l'estament à connaître. Jésus qui dit Nicodème. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus-Christ dit ça. Et si c'est pas directé dans le désert là, sous le poteau, on qu'est-ce qui te présenté? Jésus-Christ. Et puis ça, après ça, Jésus-Christ dit Nicodème. Parce que Jésus-Christ était l'aile pendue sous quoi? C'est un coup serpent qui est pendue sous le poteau là. Jésus-Christ dit Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et si y a l'histoire pour le là dans le chapitre 21, on quitte l'histoire pour le là. Et pour l'histoire pour le là, oui, c'est l'histoire pour le là. Nombre chapitre 21. Ou pas même, il est là, souhait. Il est la journée. Il est la journée. Ok, bon, attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, hein, qui périrent par l'exterminateur. Et bien, verset 11. Livrez-y encore. Ces choses leur sont arrivés pour servir d'exemple. Vous avez dit là, il y avait deux fois. Oui. Il dit, elles ont été écrites pour notre instruction. Il y a un qui dit, bon, bah, ça, bon, même si c'était pour notre instruction, bah, ça, pour nous l'entendre longtemps. Fini les essais. À nous qui sommes parvenus
à la fin des siècles. Oh oh. Et c'est pour qui est-ce qu'il a fait vivre? Pour nous, oui. Exemple, pour la Bible la belle, quelque soit la question qu'on va poser, Bible qui est là. Parce que si c'est l'esprit qui est là, c'est qu'on a toutes les questions qu'on va poser. Peut-être que pour ne pas répondre à une question, et pendant que Bible là, et pendant Bible là, il est là. Et on beaucoup elle. Parce que c'est cet esprit qui est Bible là, c'est qu'on a toutes les questions que l'homme tortueux dans le cœur a posé. Et s'il mettait tout là, et vous cherchez, vous revenez. C'est sous base ça, l'important pour l'exemple ça, vous comprenez, les bons dieux te dit peuple là comme ça, bâti un tabernacle, chaque sac dans le tabernacle là, te gon signification. Ou même qui par contre, sur le tabernacle là, on a regardé qui sac dans le tabernacle là, on a le nom Hébreu 9. Hébreu 9. On a pris quelques versets, on a pris qui sac qui était dans le tabernacle. On a pris Hébreu, c'est devant net, oui. On finit prendre. Avant prend Jacques. Hébreu 9. Tenez qui ça que le dit. Moi dans verset 1er. Lui dit comme ça. Hébreu 9. Souvenez Hébreu 9, dit Amen. Non, non, hein? Amen. Ok, tout pour venir. Il dit comme ça. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Le bien de culte là, c'est l'adoration de Dieu. Première alliance, le dit Ancien Testament. Qui ça, Nouveau Testament, il Il y a une nouvelle alliance. Il dit comme ça. En effet, un tabernacle fut construit. Ouais, comme il dit, sans côté pour le plat de l'Odia. Tabernacle. Dans la partie antérieure, et alors, avant d'entrer dans le passage ça, où est-ce qu'on entre dans le tabernacle là? Depuis le peuple là dans le désert là, Ils font clôture. C'est en dans clôture ça, tout pareil au gagné. L'on paraît dans clôture là, premier son joint, on joint l'hôtel des reins. Soyez-vous, oui? L'hôtel des reins. Son hôtel, et là, il va le bouler sacrifice. Bien des reins. L'on a le pied devant, on joint un deuxième outil dans le tabernacle là. Dehors toujours, oui? La cuve des reins. Il y a deux. Outil, oui, qui dehors? Qui deux outils qui dans la croix? Allez, aidez-moi. L'autel des reins. Deuxième outil qui dans la croix, c'est qui ça lié? La cuve des reins. On go cuvette, mais en erré. En erré. Pas oublié. Et après deux outils, ça est venu. Ou après dans la cour tabernacle, tente là. Yon tente. Dans la Bible, on attendait yon d'où? Yon la tente d'assignation. Assignation. On voit qui ça va le dire. Si tante ça, son tante, c'est pour bon Dieu lié. Il consacré au Seigneur. C'est ça. Alors, puis la fin de la donne. C'est ça, moi-même, je le dis. Ok? Maintenant, on regarde qui ça est l'autre verset a dit. Qu'on y a là, description, nous parlons là, c'est description relative à qui ça qui est dans tante là. On a regardé dans verset 2a. Il dit, en effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Ça, c'est deux, il y a deux chambres dans tente là. Gon chambre yore le lieu saint, et puis gon l'autre chambre yore le lieu très saint. Il dit comme ça, dans la partie antérieure appelée le lieu saint, mais qui s'attend dans la partie antérieure là, c'est qui s'altère? Il dit comme ça, t'es gagné qui ça? Le chandelier, la table et les pains de proposition. Attendez bien, oui? Le chandelier, la table et les pains de proposition. Verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Ça, c'est l'autre tête chandelle. Ça, chante ça, le Saint des Saints ou bien le lieu très saint. Vous comprenez? Ils disent ça. Cette partie renferme l'encensoir d'or pour les parfums, et des fois, ils vont mettre l'encensoir là. Et bien, des fois, dans l'Ancien Testament, il y a plus pour trouver l'encensoir là, c'est dans le lieu saint en quelier. Et puis, ils renferment l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, on voit, qui est en bois et en or. Et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Et puis, ils disent comme ça, il y avait dans l'arche un vase d'or.
en dans l'âge là. Tu gagne qui s'attend dans là, qui s'attend dans bazar. La manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et l'étape de l'alliance. Ouais, il y a quatre bagages dans droite là, oui, c'est qui ça lié. La manne, il y a un bout de bâton Aaron qui t'est fait, qui t'est fleuri, t'est produit en manne. C'est ton bail qui t'est prouvé que bon Dieu choisit Aaron. Et puis, ils mettent le comme symbole dans le musée en dans l'âge là. Et puis, ils mettent en dans l'âge là tout l'étape de l'alliance. On sait ça, table de l'alliance là. Deux tables, bon, j'ai détaillé en dans wash. Et puis, sous table, ça a été écrit les 10 commandements. Et ça a été les tables de l'alliance. Sont les arrêts. Et puis, je dis comme ça, au-dessus de l'âge, ça c'est couverture de l'âge là, l'âge de l'alliance, étaient les chérubins de la gloire, ces deux créatures célestes qui sculptaient, couvrant de leur ombre, qui ça, le propitiatoire. Propitiatoire, c'est couverture. L'arche là, qui est une assiette là-dedans, c'est sous lit, qu'on met des sangs, les sacrifices qui fait le jour de l'expiation, pour demander bon Dieu pardon pour péché collectif, peuple là. Et puis, t'es pas pareil, ça y est, sans pile causer, sous besoin de causer, ça y est, on peut voir lui. Sauf dans Exode 19, qui est dans le dernier chapitre d'Exode, et puis traverser dans le livre Lévitique. Ainsi, Bible a pour comprendre, il faut mettre les il faut mettre dans le livre. Vous comprenez? Tellement grand Bible a vous dit ça, auteur l'a écrit. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ouais? Auteur l'a dit comme ça. Tellement qu'il y a causé pour parler sur Marie Zayo, il n'y a pas de parler sur sa cognée. Et puis dans verset 6, là, attendez ça, auteur l'a écrit. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service, notez ça, oui, entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Dans qui première partie, sacrificateur entre tout temps. Le lieu saint. Mais dans la seconde partie, c'est la seconde partie. Le lieu des saints. Bien le saint des saints. Dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul en une fois par an. Vous allez poser? Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ça explique tout le monde. Et puis pour tout le monde capable de comprendre. Et pas jouer par Isaïe. Verset 9 a dit comme ça. C'est un symbole pour le temps présent. Oui. Vous allez poser. Qui sont symboliers? Un symbole, son figure qui représentait une réalité ou un message. C'est où vous allez chercher. Il dit c'est un symbole pour le temps présent. Et mon papa qui t'a filé tout reste là parce que moi gagne l'autre moi gagne pour tourner là-dedans même les servir avec ça que me sorti avec ça que me sorti là yo pour voir comment on va faire on repasser rapidement et qui ça qui arrivé 2 millions dans le désert 3 tribus dans chaque coin. Et cardinal, on a 4 cardinaux, est, ouest, nord, sud, et puis ce temple-là, tabernacle-là, au milieu, au centre. Tabernacle-là, dans une grande cour, bon Dieu, même by qui mesure la cour, vous voyez, tout ça là-dedans, oui. Bon Dieu, même by mesure la cour, oui. Il n'y a pas qu'à l'air dans le désert, la fontaine-là, qui est trop petit, non, mesure, bon Dieu, by pour la cour, faites observer la lettre, mesure clôture-là, à la lettre, tout pareil, bien tiré. Et dit non, l'entrée dans la cour, dans la porte devant, on seul porte, lui qui est dans la bénacle. On seul porte pour passer. Pas qu'une porte ni derrière ni devant, on seul porte, l'entrée devant. L'entrée devant, pour entrer dans la porte. Dis-moi qui veut pas vous venir. Non. Dans la cour. Qui veut pas vous venir dans la porte là? L'hôtel des reins. C'est là où il fait tout sacrifice. Qui veut se faire vous venir, l'offre aussi marcher dans même la cour encore. La cuve des reins, en gros cuvette qui chargeait de l'eau. Vous voyez ça qui passe dans la cour? Dans l'hôtel, c'est du feu. Puis cuvette là, c'est de l'eau. Vous voyez? Du feu, de l'eau. Et puis après ça, on fait nous.
tente là. Tabernacle là qui a deux chambres. Est-ce que on visualise tabernacle là? Ok. L'on entre dans la première chambre là, qui c'est le lieu saint. Tout sacrificateur qui est dans le lieu saint. Il y a trois outils qui sont dans le lieu saint. Il y a le chandelier d'or qui va lumière. Grand outil, la table des pains de proposition. Il est la table des pains de proposition. Son table, il y a 12 biscuits là-dedans. Et il y a tout, ça veut dire. Chaque matin, il faut remplacer le pain, mettre pain chaud. Pain chaud. Pain qui passe la journée, pas qu'à venir mettre des médicaments. Chaque matin, pain chaud. La table des pains de proposition. Et des 12 pains. Chaque pain contribue. Ça sent plus bagarre. Lumière. Pain. Appelez lumière par direction. Pain, c'est provision. Et puis, il y a un petit hôtel. Il y a brûlé parfum sur lui-même, l'encens. C'est devant le sacrificateur aller pour faire prière, monter pour le peuple là. Aïe, lieu saint. Et puis, l'on paraît dans le lieu très saint. Une fois par an, qui est-ce qui est là? Souverain sacrificateur qui est rentré là, une fois par an, pour aller déposer le jour de l'expiation, sans un gros sacrifice que vous faites pour pécher le peuple là. Sous qui hôtel là? Sous l'hôtel de rien, on peut y aller là. Le sacrificateur après ça, la laguelle sous couverture, souverain sacrificateur la laguelle sous couverture. Lâche l'alliance là, qu'on assiette qui n'a mis dans couverture là en or, et puis il y a deux chérubins. Chérubins, ils ont une réputation, c'est gardien de la sainteté de Dieu. Ils ont sculpté en or, et puis deux chérubins, ils ont gardé l'assiette là. C'est dans l'assiette là, sacrificateur, souverain sacrificateur, lagué sang, ils ont prend, depuis qu'ils ont déjà, l'hôtel de rien. On regarde les apôtres sans ça, dans le lieu très saint, combien de stations ont passé. Oui, je me dis ça, son façon de la soirée. Ils ont fini de tuer gros bêtes là pour le peuple là. Ils ont pris sang, souvent sacrificateur était même sous tête sacrifice là. On s'appelle les démons, les transférer péché tout le peuple là. Sous sacrifice là. Puis ils ont coupé les bêtes là, puis ils ont recueilli ça dans le vaisseau. Première station, ils ont passé dans l'hôtel de rien, ils ont pris sang. Souvent sacrificateur a marché. Et puis ils ont passé beaucoup de ça. Cuve derrière. La pâche. Troisième station. Il passe dans l'Isa. L'entrée qui s'en entend la cognée. Il passe dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a le grand rentré dans le lieu très saint. Waouh, 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 waouh. Sous ta ouais, j'en ai mis à battre. Il prend le rentré dans le lieu très saint. Parce que si bon Dieu pas d'accord à ça qu'a fait là, la prendre dans le lieu très saint, la mourir là. Il ne peut pas sortir. De la rentrée, il y a un code dans le pied. Parce que il y a une petite cloche en bas au bled. Pour qu'il attende le bruit là-dedans. L'autre sacrificateur était dans la chambre qui lui est saint. Il cherchait des oreilles. Tu crois ici, on a une trompette. On a une trompette de lui. Vous comprenez? Pour qu'il attende, est-ce qu'il y a un bruit là-dedans? Est-ce que la cloche est sonné? Si la cloche est sonné, il y a une cloche là toujours. Si vous avez dans les îles, je ne vais pas sonner. Vous comptez monsieur Mouen. Donc, vous allez supposer râler, monsieur. Mettez-le dehors, parce que personne ne va râler moi. Le monsieur Mouen, il prend sang. Il a l'assiette là. Il y a l'assiette là, le propitiatoire. Ouais, tout le monde sait même pareil. Propitiation, propitiatoire, mot grec là, mot grec là. D'où vous dites, vous parlez, hélas, comaï, et mot grec là. Son mot clé dit, sans verser, colère mon Dieu, apaisé. Si vous avez dit, qui ça propice à chambre de vie? Vous mettez tout dit, vous ça. Sans verser, colère apaisé. Peut-être ça, vous avez l'assiette là, propitiatoire. Depuis 100 ans, vous avez l'assiette là. Bon Dieu accepte le sacrifice là.
Colère, bon Dieu, apaisé, bon Dieu, pardonne les péchés, peuple-là. Et depuis l'année que commencé, le mouvement commencé à faire, pour sauver un sacrificateur à son temps d'heure, Dieu est en bas de nouvelles là-dedans. Le peuple-là est en levé maintenant, d'ailleurs, après l'amour, pour dire, mon Dieu, merci pour le pardon que vous jouez. On s'accueille. C'est que c'est trop facile, mais. Comment est mon entrée la caille mon Dieu? J'ai ouvert. Yo. A qu'a fait? Mon Dieu, pas de jambes dans yo, à personne. Qui ça que tes études là? Pas terminé. Ou capable de prendre modèle tabernacle là? L'a prié. L'a prié, on voulait faire quoi prière? Gros prière. Prière, ça, je vais utiliser son vocabulaire haïtien, même pas tellement utilisé, je vais utiliser tout à l'heure. Dédoublement. Dédoublement impliqué son prière qui dépasse le niveau humain. On monte plus haut que d'ordinaire. Si vous voulez faire prière qui est haut, qui monte plus haut, il faut que vous fassiez la prière du tabernacle. Premier côté pour commencer la prière, c'est à la cuve, non, à l'autel des reins. L'autel des reins symbolise le pardon. C'est le pardon. Pour qui ça a été pour les sacrifices de l'autel des reins? Pardon, mon Dieu, t'as cherché. L'autel des reins, c'est simplement là. Boulet, fais sacrifice pour mon Dieu pardonner. Lors la prière, premier côté pour commencer, il faut passer dans la station, pardon. Mandez, mon Dieu, Isa. Ou t'as souvent fait des minutes. Ou là, on demande de dire ça. Pardon, Seigneur, pardon. Ou pas qu'à prier. Bon, j'en la prière qui est puissante. Sous pas passer des têtes dans son genou. Ou pas demander de ça. Pardon. Gen moun qui demande pardon dans son fond. Seigneur, demande pardon. Et puis, il retire. Comme ça. Ça, peut-être que c'est manger, c'est travail là. C'est pas arrivé. Seigneur, demande pardon. Et puis, on ouvre dans là. On ouvre. Mettez. Non. Puis gros temps où vous devez passer dans la prière, c'est temps pour demander mon visa. Les questions. L'on va prier. Qui va le confier? Qui va le confier devant l'hôtel des reins? Qu'on y a soit dans le monde ça, à soi, qui va dire non, tu vas dire ça. Eh frère, on va dire non, tu vas soi. L'on va la prière. Qui va le confier? Où t'en fais devant l'hôtel des reins? À nous, et reins. Ça veut dire que qui va aller à ton fait au moment de mon Dieu Isa? Pardon. L'offre de mon Dieu, pardon, qu'on y a fort pour déplacer pour deuxième station. Deuxième station, c'est ça qui est la cuve des reins. La cuve des reins, lui-même, c'est briser la purification. Purification. Vous comprenez sa cuve des reins de là? Mon Dieu, pas de jambes dans 15 sacrificats, le seul sacrificat, pas être dans la maison, si n'est pas bien. Tout est à fait, toi, les dieux. Il faut tout en radio pour. Mon frère, mon ami, je vais aimer bien. Mon ami, je vais aimer bien. 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 Est-ce que vous comprenez que vous avez 3-4 jours de bain? Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font même une excuse. Ah, t'es un frère. T'es un frère. T'es bien. Vendredi, il va bien. Je dis Albert, il dit ça, lundi me bien, oui. Mais que déclare c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oh my God. Alors il y avait mon nez comme ça, ouais. Bon, mais les mêmes. Ouais, sinon c'est justement nez qui va foutre dans la cour. Comme ça, qui regarde parce que mon Dieu demande nez qui plus bien, plus trois lettres, bien fait. Allez, même un sous-vêtement nez qui vont dire allez, oui. Allez, là, sous-vêtement, oui. Tu es bien propre, oui. Papa là, mon grand père là, papa le bureau. Nous lui dis, ça mon Dieu a quelqu'un dans son vêtement. Allez gars, quand vous dites moi c'est que mon Dieu, les gros bagages, détails pas importants, et vous êtes dans les détails, mon Dieu bon. Lorsqu'il a demandé mon Dieu pardon, faut passer un bon temps pour dire mon Dieu qui ça, purifier, purification. Bible a fait connaître que l'on a pas besoin de Dieu, et pas seulement pardon, faut chercher un pardon. Dans la station, hôtel de rein, il faut chercher une purification. Dans quelle station? Cuve de rein.
Bon, vous voulez me prouver ça, Abdoulaye, ça? Je vais prouver. On va en lire 1 Jean 1, verset 9. On va lire. Si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. L'autel dit. Et pour nous purifier de toute iniquité. Qui ça? La cuve de rien. On va vous voler. Mettre mon deuxième preuve. Somme 51. Les David péché, la demande de mon Dieu, pardon. Qui sont comment David commencé? Elle devait dire comme ça, la demande de mon Dieu, pardon. Oh Dieu, et puis tu demandes dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. David demande pardon. Quand il y a David saute dans la station. L'hôtel là, quand il y a la cuve de ça. La cuve. David dit comme ça. Puis vivre avec mes hommes, et je serai plus la voix, je serai plus blanc que la neige. Mais David était là, bon, station, cuve de rien. David dit aux ça, oh Dieu, bon, reste ça, non. Crée-moi un cœur, on devrait avoir un esprit bien disposé. Ouais, Bible, pardon, oui. Ok, c'est l'offre de passer dans station, hôtel de rien. Pardon? Qui veut dire purification, qu'on y a ou admis pour entrer qui est ça dans lieu saint. Dans lieu saint, c'est là qu'on y a prière qui a commencé. Ou pour que j'en doit commencer à prier tout autant qu'on peut passer dans la station. Hôtel des reins. Pardon, qui veut dire purification, qu'on y a pour tomber dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est la prière. Qui s'appelle le lieu saint? Dans la prière, on va faire le chandelier d'or. Où t'es quoi? Pour dire direction. Qui ça lui bien fait? Direction. Et ça lui bien bah oui. Hein? Lui bien bah direction, lui bien montrer au côté pour qu'on doit mettre pied au soleil lever la journée, peut-être ça oui. Les étoiles éclairer la lune, éclairer peut-être ça oui. Pour la côté où qu'on doit mettre pied au. David dit dans son sentier, ta parole est une lampe à mes pieds. Et bien sûr, la prière, on va dire direction. Et ça change chandelier. Dans la représenter. Toutes ces symboles. Et bon, tu nous as ces symboles, oui. Après, on fait ça. La table des pains de position. Ah, qu'on y a prié. L'on a prié. On a demandé bon Dieu provision. Mais est-ce qu'on a commencé à demander bon Dieu provision sans pas passer dans la station? Hôtel de rein, pardon. Cuve de rein, qui ça? Purification. Qu'on y a demandé bon Dieu provision. C'est même un problème. On peut intercéder, etc. Et puis, on fait tout ça. Devant, en s'asseoir là, on fait prier à monter. Nous, jusqu'à côté pour nous commencer à prier? Dans le lieu saint. Ou pas qu'à rentrer dans le lieu saint pour prier, tout autant ou pas passer dans deux stations qui de. Je vais terminer là. L'hôtel des reins, pardon. La cuve des reins, purification. Le lieu saint, prière. Qui les prières commencer? L'offre pardon, purification. Qu'on y a prié. Oui. Hé! Gen moun côté, on fait mes yeux, commencez à prier. Mais qui ça? C'est travail. C'est l'argent. Non. Oh! Côte de station. L'offre passé dans station 1, hôtel des reins. Pardon, cuve des reins. Purification, lieu saint. Prière. Waouh! Vous comprenez ça la prière? La prière les introduit dans la présence de Dieu. Et sa prière fait. Au bon point arrivé, leur finement des bon Dieu, tout sort est commandé dans la prière. Ou après que vous n'y avez, mon Dieu dit, ah, on tellement approuvé, on tellement agréé, ma boyon bagaille qui dépassait, sort de demander. On dit, mon Dieu, bon? Libre accès dans le lieu très saint. L'entrée dans le lieu très saint. Pour qu'on soit découvert, vous découvrez la présence de Dieu. Shekinah, la gloire de Dieu, est sous tête tabernacle. Pour qu'on qui côté, les tabernacles sont campés. Malgré des bons gros nuages en l'air, bon petit nuage à pas qui descend sur le gros nuage là. Pour qu'on qui côté le déposer, sous tête lieu très saint. C'est pour que présence de mon Dieu. Il est là. T'as déposé. Qui route on doit faire pour jouer la présence de Dieu? Notez ça. Faut le passer sous l'autel des reins pour jouer ça. Pardon.
faut passer dans la cuve terrain pour faire une purification. Faut rentrer dans le lieu saint pour commencer à prier. Et puis, le bon Dieu a agréé prière. Bon Dieu l'ouvrit. Voilà. Qu'on y a le caractère dans le lieu très saint pour jouer qui ça? La présence de Dieu. Waouh! Comment vous êtes? Où est-ce la prière? De pour prier la prière du tabernacle. L'on sortit. On ne peut pas même vous. Mabdo, Moïse était 40 jours avec mon Dieu sur le mont Sinaï. Tenez qui ça veut dire de Moïse? Il dit, Moïse descendit de la montagne avec les deux tables du témoignage dans sa main. Dix commandements, écrits sur les tables de pierre. Il dit, en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Moïse a descendu maintenant. Deux visages Moïse allumés. Beaucoup de visages vous allumez. Visage Moïse allumé. Bible a dit, son visage rayonnait. Et puis, tenez qui ça vous l'a dit? Bible a dit comme ça, son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Oui. Quand il y a un monde qui connaît Moïse fait des jours dans le désert, là, elle descend le visage lui-même. Le peuple n'a pas regardé Moïse, et Moïse a parlé avec eux, parce que le visage de Moïse lui-même. Le monde qui s'est cassé, Moïse est obligé. Mais ton voile, oui. Aujourd'hui, un garçon à voile. Allez ça dans l'exode. Moïse fait. En titan, côté que les gonds voiles qui descendent sous tête, sous visage, li, parce que Moïse passait plusieurs jours visage lui-même. Le monde n'a pas regardé. Quand est-ce que vous avez dit ça dans la Bible? Oui. Mais là, son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Regardez, oui. Où est-ce qui prend en Bible? Monde qui prend habitude. Il est chaque jour, il bat hôtel de rennes, pardon, il bat cuve de rennes, purification. L'entrée dans le lieu très saint, les prier. L'entrée dans le lieu. Alors, l'entrée dans le lieu saint, les prier. L'entrée dans le lieu très saint. Bon Dieu, belle présence. Là, elle sortit dehors. On est même mon allié. On regarde les gens, on parle, on dit ça. I don't understand. Pourquoi ça me barre dans le coul? Bon, pas de gagne, pas de gagne. Quand les gens viennent à l'église, on chante, on parle. On a aimé comme ça. On pense, discours de bénédiction éternelle. 20 coups de Jésus capable de voir cette là. Vous pensez, Alléluia! Capable de faire ça vous-même. M'a dit, je dis, m'a dit, capable de dire, voilà. M'a dit, rentre dans l'église. Il va dire, voilà. Faut prendre pile de temps, passer dans chaque station, yon, pour visage de lui-même. C'est étude là, Zoya. Une casson étude. Maintenant, blâmer, pour pas jamais oublier. Parce que le pape, j'aime qu'à faire tout comme ça. Encore, si la pluie qui te mouille, vous devinez là, l'obra la caille, faut dire, pour Dieu qui aime deviner l'église, pour Dieu qui aime deviner, quand il y a ma prière, m'a fait la prière du tabernacle. L'or barré comme chrétien, vous sentez, ennemi à frappe fort, mets-toi à genoux, fais mes yeux. Puis fais la prière du tabernacle. Passez beaucoup de hôtel là, passez beaucoup de cuve là. Rentrer dans le lieu saint, visualiser le lieu très saint, et puis dire Seigneur dans la présence. Amen. 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 Je vais prendre question, non? Si je prends question, je vais regarder. Je vais quitter là. Prochaine fois, je vais poser question. Amen. Amen. Je vais prier. Je vais prier, oui. On va essayer pour nous prier. On va prier.